Les 10, 11 et 12 septembre, la Grande Bordée célébrera les hommes et la mer. À la fameuse Madame Lareur, la grande Hortense. Cette fête, qui s'organise autour de l'identité chaumoise, sera l'occasion de nombreuses animations à terre, mais aussi sur l'eau. Plus d'une cinquantaine de vieux gréements seront notamment conviés à animer le chenal des Sables d'Olonne tout bavoisé. À leur tête, une invitée de marque cette année, la Recouvrance, une goélette de 42 mètres construite au début des années 90 et qui est l'ambassadrice de la ville de Brest. Brest qui accueillera en juillet 2016 l'un des rassemblements de vieux gréements les plus spectaculaires d'Europe. La goélette est arrivée jeudi au Sable d'Olonne et elle est amarrée auprès de la capitainerie d'Olonna. Il sera possible durant tout le week-end de visiter le bateau et une soirée mécénat au profit de la Grande Bordée sera également donnée à bord ce vendredi, mais sur réservation. Ces réservations sont à faire auprès de la Grande Bordée. Il faisait sa ronde à l'arsenal, de l'arrière-garde au fer à cheval. À Recouvrance. C'était parents au Kervella, vous avez connu ces gens-là qui faisaient tant de tralala et de manigance, portant voilette et grands chapeaux, qu'on aurait dit ou peu s'en faut, ça fréquentait des amiraux à Recouvrance. C'est par une nuit qu'il vit le jour, au 13 de la rue de la Tour. Il faisait noir comme dans un four, et pas de chance. Avec ça un vrai temps de canard, de la pluie, de la vent et de la brouillard. Ce qui mit la sage-femme en retard, à Recouvrance.